Yo tout le monde, c'est Yaya, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo dans ce là. Je vais tester la nouvelle Audi qui va bientôt arriver sur GTA en ligne. Et là vous allez me dire, mais Yaya, elle n'est pas encore sur le jeu, comment tu veux la tester? Bah tout simplement, il y a un créateur espagnol qui a sorti un parcours concernant la Audi, il l'a mis, je sais pas comment il l'a fait, il a sûrement fait un glitch ou je sais pas comment il l'a fait. Et là je peux la tester. Pour les personnes qui veulent la tester, bah tout simplement vous allez sur Star en ligne, activité. Jouer activité, créé par Rockstar, pas créé par Rockstar, désolé, vous allez sur favorite, vous allez sur course casse-cou et vous allez sur celle-là. Tout simplement, aussi, il faut aller sur le lien qui se retrouve en description pour télécharger ça. Hein. Vous allez sur le Social Club, vous allez télécharger, vous mettez en favorite, vous changez de session et vous allez tout simplement pouvoir l'avoir dans vos favorites. Et puis voilà. Et là, je vais la tester en espérant qu'elle soit vraiment bien parce qu'elle est électrique. Personnellement, les voitures électriques, c'est pas non plus un truc de ouf sur GTA en ligne. Hein. Et puis voilà, bref, on lance la course. Et aussi, j'ai déjà fait une vidéo concernant la nouvelle moto. Hein. Pour ceux qui n'ont pas vu, bah, je mettrai aussi le lien dans la description si vous voulez voir la nouvelle moto. Je la teste et tout en parcours et tout. Et puis voilà, bref. Attends, mais c'est quoi ce chapeau qu'ils m'ont mis, Rockstar là? Attends, non, mais attends. Sérieusement, le respect, il est où? Il est où le respect là? Attends, on met ça. On met la fraise. Et oui, on représente la fraise. C'est quoi le logo de ma chaîne? C'est la fraise. On va pas mettre un truc comme ça. Ok, déjà, la Audi là. Oh là là. Oh là là, là c'est la première fois que vraiment je la vends vraiment en détail là. Ouais, l'arrière est un peu bof bof. L'arrière, je pense qu'avec la customisation, elle va changer. Mais comme ça, l'arrière, il est bof bof. Mais là, il est incroyable le devant. Oh, what the fuck? Malheureusement, je peux pas sortir. Mais il est magnifique le véhicule. Et là, je pense que c'est vraiment une Audi Q5. Hein. Dites-moi vous dans les commentaires. Bon, là, je vais la tester un peu comme ça. Ok. On va la tester. Je vais tout simplement, tout d'abord, je vais pas parler, juste je vais écouter le son électrique. Ok, je mets mon casque parce que je l'avais pas. Ok, là je l'ai mis. 3, 2, 1, je parle pas, c'est normal. Aïe, ok, déjà, ah ouais, j'ai déjà cassé le truc. Ok, d'accord. Ok, ça fait bizarre de voir une Audi électrique. Je sais pas, c'est la première fois que j'ai vu ça sur GTA. Elle est pas mal hein, pour un 4x4 comme ça, électrique, c'est pas mal. Attendez, je remets le son normal. Tac. Ok, le son, ça va, hein, c'est un truc électrique, c'est normal. Hein. Là, je vais tester un peu sa vitesse, sa conduite et tout. Mais franchement, il a l'air vraiment pas mal, hein, la voiture. Elle a l'air vraiment pas mal. On va voir les virages. Elle tourne bien. Je sais pas si ça va être une grosse cylindrée ou une sportive. Mais je pense pas une sportive, mais je pense une grosse cylindrée, il y a moyen. Mais elle tourne super bien, genre même la conduite et tout, bah, top du top. Après les Audi, hein, c'est comme ça hein, dans la vraie vie aussi. Hein. Ok, on va essayer de voir sur l'herbe ici, qu'est-ce que ça fait? Ça tient bien la route, ça tient bien la route. Bah franchement, le véhicule, je suis pas déçu, je suis pas déçu. À part que l'arrière, il est un peu, je sais pas, il est un peu bof bof. Mais après, je sais qu'avec les customisations et tout, on va pouvoir le changer, hein, ça c'est sûr. Ok. Franchement, très rapide, un véhicule vraiment que je vous conseille, j'ai l'impression. Hein. Et j'ai super hâte qu'il sorte. Hein. Après, on ne sait pas, comme je l'ai dit, hein, je ne sais pas quand il va sortir exactement. On sait que ça va sortir un jeudi. Peut-être ça va sortir le jeudi. Attendez, je vois le calendrier. Tac, tac, tac. Peut-être il va sortir le jeudi 13 janvier, le 20, le 27 ou le 3. Ça dépend, en fait. Ça dépend vraiment. Parce qu'à l'heure actuelle, il manque 5 véhicules à que Rockstar nous les sorte, et là on sait pas vraiment quoi va sortir, donc voilà. Bon, là j'ai respawn, c'est normal. Je vais un peu tester le parcours pour voir qu'est-ce que ça donne. Et puis voilà, allez, c'est parti. Ok, ouais, oh non, ça j'aime pas ça. Ok, ne je vais pas non plus tester le parcours à 100% parce qu'il y a combien de points? Il y a 33 points. La vidéo, j'ai pas envie qu'elle dure 70 minutes. Hein. Ok, je vais juste faire 3 ou 4 points, et puis voilà. Hein. Ok, d'accord. Ça fait un peu longtemps que j'ai pas fait. Ah ouais, mais là, faut aller loin, là. Ah ouais, faut prendre de la vitesse. Ok. Je me concentre. What? What? Un nouveau motif? Oh là. Ah, j'ai fait un truc qui ça a mis un. Attends, attends, je prends une miniature, là. Faut prendre une miniature, les gars. Attendez, attendez. Là, dites-vous, là, en avant-première, j'ai un motif. Ok, merci, Rockstar. Après, je pense que c'était fait exprès. J'allais dire, il est où le pot d'échappement? Mais en fait, c'est un véhicule électrique, je suis bête. Ok, là j'ai pris la miniature, je vais respawn et on va continuer le parcours. Ah, mais en fait ça change à chaque fois. Attendez, on va respawn une autre fois pour voir ça donne quoi là. Parce que noir c'est un peu bof bof. Bon, comme par hasard deux fois noir. Mais franchement le motif qu'on avait il était pas mal. Attendez, faut que je prenne la vitesse. Parce que si je prends pas de la vitesse, je suis foutu.
Voilà, je pense que j'ai un peu abusé. Oui, j'ai un peu... oui, je suis d'accord. J'ai pris de la vitesse, trop de vitesse même. Je pense en fait c'est à partir de là que tu accélères. Genre là, et là c'est nickel. C'est calculé en fait. Je pense que c'est bien calculé. Bon après, il y a moi qui sais pas... Voilà, sais pas conduire. Attendez, je vais... mais j'essaye de me concentrer ou quoi là? Ok, là non, c'est à la perfection. Regardez, là c'est à la perfection. Un petit peu une galère. Mais les... Ouais. Ça ressemble aussi à une Audi RS3, hein. Le devant, juste le devant, hein. Je dis bien juste le devant. Hein. Moi, je faut passer par où? À droite? Et là, je sens qu'il y a un troll. À droite ou à gauche? À droite ou à gauche? Je sais pas s'il y a un... Attends, je peux pas voir s'il y a un ralentisseur ou tu vois un boost. Je pense qu'il y a un troll. Hein. Ah non, en fait, il n'y a pas de troll, en fait. Ok. Ok. Je pense qu'on va se laisser sur ça parce que moi les parcours, c'est pas mon truc, hein, comme je l'ai dit dans ma vidéo précédente. Moi, c'est le farm. Et puis voilà. Bref, on se laisse sur ça. Concernant bah, la Audi, je la trouve vraiment incroyable. La conduite, magnifique. Hein, et puis voilà, j'espère qu'elle va sortir le prochain jeudi. Hein. Donc si je ne me trompe pas, le prochain jeudi, ça tombe quoi? Ça tombe le 13. Et puis voilà, on se laisse sur ça. Et on se dit à demain. Allez, salut!